Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous. Alors c'est vrai, c'était chaud hein, quand même les pensées du jour là passées. Alors ceux qui n'ont pas regardé ces pensées du jour, n'hésitez pas à revenir en arrière pour regarder il y a 2, 3, 4, 5 jours les pensées du jour parce qu'il y a eu des questions qui étaient délicates mais intéressantes à aborder. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une méthode pour défendre sa foi. Comment faites-vous pour défendre votre foi les amis? J'aimerais vous lire en commentaire. À tout de suite. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » Voilà les amis, j'espère que cette pensée du jour vous a interpellé. Alors j'aimerais vous demander et vous poser cette question, comment défendez-vous votre foi? Votre prise de position parfois? Alors j'ai comme vous certainement l'habitude de regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et là, je vois des commentaires dans certains blogs. Alors, pas chez nous, pas dans la pensée du jour, parce que, voilà, vous êtes raisonnable, vous êtes équilibré, vous pouvez exprimer les choses sans agressivité. Et d'ailleurs, je vous félicite pour cela. Mais parfois, on se rend vraiment pas compte de, finalement, ce qui nous anime. Une espèce de colère, parfois même de rage, parce que l'autre ne pense pas comme nous. Nous avons envie de l'insulter, de le rabaisser, de se moquer de lui. Je crois qu'au premier siècle, il en était ainsi. Les nouveaux convertis, les nouveaux croyants, parce que les païens, vous voyez, hein, les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les païens ne comprenaient rien, ils avaient plutôt tendance à les invectiver, à vous dire, mais vous allez brûler en enfer de toutes les manières si vous ne faites pas comme nous. Et là, je crois que Pierre, qui lui-même avait un comportement assez particulier, vous vous rappelez de cette fameuse histoire avec l'arrestation de Jésus, Pierre a appris de ses erreurs. Et maintenant, il écrit à ceux qui ont eu l'occasion de le lire au premier siècle, mais il nous écrit également aujourd'hui. Mais il va vous dire, va nous dire, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Alors les amis, voilà deux expressions, deux adjectifs, douceur et respect que nous avons perdu, que certains chrétiens ont perdu. Cultivons la douceur, cultivons le respect de l'autre, même si celui-ci n'est pas d'accord avec nous. Alors Pierre met l'accent ici. Faisons-le, défendons-nous avec douceur et respect devant n'importe qui, quiconque pourrait nous demander raison de l'espérance qui est en nous. Afin que la même, il continue, la même où ils vous calomnient, la même où ils vous disent, ben finalement, vous êtes des moins que rien, en fait. Vous ne connaissez rien, vous n'avez aucun espoir dans votre histoire. Que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez donc d'ailleurs des malfaiteurs, hein, donc prêts à être jetés en prison ou à être bannis de la société, ceux-là même qui vous calomnient se rendent compte qu'il y a quelque chose quand même qui me dépasse, je n'arrive pas trop à comprendre. Et là, nous serons une petite lumière pour eux. Ils seront parfois confus. Ils seront confus parce qu'ils voient qu'ils se comportent très mal avec vous. Et très souvent, ils ont le même Dieu que vous, disent-ils. Ils sont chrétiens, mais ils vous persécutent. C'est d'ailleurs pour cela que je suis l'un des militants, avec un petit M, hein, pour dire que c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Ceux qui passent leur temps à invectiver les autres sur les réseaux sociaux, j'ai de la peine, hein, un peu vraiment. J'ai de la peine. Je crois que oui, ces réseaux sont le libre champ pour tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous aurions même pas pu dire face à face. Libre champ à nos droits, à notre esprit pour rabaisser qui que ce soit. Mais même sur les réseaux sociaux, nous restons également des enfants de Dieu. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu se comporterait de telle ou de telle manière, exprimerait des idées aussi agressives, aussi dégradantes parfois sur tel ou tel sujet? Je crois que ça, c'est important de mettre l'accent dessus. Et j'aimerais d'ailleurs vous lire
J'aimerais vraiment savoir comment vous vous défendez. Avez-vous peut-être eu un comportement dans le passé et ça a changé? Pensez-vous qu'il faille vraiment se battre maintenant, hein, se battre pour que la foi en Jésus puisse être la foi qui puisse être retenue? Mais oui, voilà, quelle méthode utilisez-vous? Défendre sa foi, la méthode, c'est celle de Pierre que nous avons vu aujourd'hui et j'aimerais vraiment vous lire. Voilà les amis, nous avons abordé ce thème un peu délicat aujourd'hui, mais finalement assez facile à comprendre. Il va falloir que nous nous réapproprions la méthode de Pierre avec deux éléments, la douceur et le respect pour l'autre. Ça commence au sein de la famille et ça transparaîtra ensuite au sein de la société. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Je vous donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.